devais rencontrer le chef des Otopis. C'est moi. Alors, je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer. Ces premiers moments sont précieux pour le chercheur. Sans le savoir, elles sont mignonnes les deux. Il noue des liens avec ceux qu'il pourra un jour peut-être appeler ses amis. Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les... Otopis. Les Otopis. Donc vous savez où il est? Mais non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes. Mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu. Vous comprenez le... Non, bon, n'en dites pas plus, que je m'en fous. Nous allons monter une petite expédition dans la jungle. Chef, dites quelque chose. Ah, ça me fait pas plus plaisir qu'à vous, les gars. Non. Je vous rappelle qu'on est sur une scène de crime, donc s'il vous plaît, vous ne touchez à rien. Bon, voilà, touchez. C'est du mercure. Ces Otopis sont des chercheurs d'or. Ou des fabricants de thermomètres. L'anthropologue n'est pas un homme comme les autres. Voilà pourquoi la folie le guette. Et voilà comment ça se passe, papa. Nous sommes à la recherche de ce jeune homme. C'est pas du tout Elliot, ça. C'est qui, ça, alors? Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ressemblait pas à ça? Vous êtes un vrai fardeau, Raspailles. Je veux dire que vous êtes un poids pour l'équipe. Comme une sorte de boulet. Ah! Ah, merde! Ôtez vos sales pattes de mon chemisier, enfin! C'est du lin irlandais. Écoutez-moi bien, si je veux me torcher avec ça, je me torche. Je fais des petites boules avec, je prends un petit bâton et je me le fous dans l'oreille et je me la récure. Est-ce que vous m'avez compris? Je comprends surtout que vous êtes obsédé par vos orifices.